Bonjour à tous et dans les conditions du direct, ici au Carré de Soie, pendant les courses que je m'adresse à vous pour ce quintet à Cannes-sur-Mer, en hommage à notre ami et regretté Jean Boileau. J'espère donc, en sa mémoire, j'ai eu l'occasion de le fréquenter, et surtout son papa, ce Boileau. Et c'est Ludovic Pelletier qui est en train de me tourner autour. Ludovic, on est en direct pour parler du quintet, alors. C'est qui le quintet? Le quintet, c'est un kit Tank Blues qui devrait être normalement le gros favori. Voilà. Allez, on te laisse courir, Ludovic. Bonne chance à toi. Voilà, vous voyez, c'est vraiment du direct. Ludovic est l'entraîneur de mes poulains de mon écurie de groupe. Donc, normalement, vous l'avez entendu, le 8 Honky Tonk Blues est un très bon cheval. Il va essayer d'aligner sa quatrième victoire. Pardon. Et le 7 de l'Arc du Plein, et c'est apparemment la meilleure chance du roi du midi, Yannick Boyan. J'aime bien le 10 Fakir du Ranch, qui est la deuxième cartouche brillant, menée par Martens, moi j'aime bien. C'est une très très bonne main. Oui, on est vraiment dans l'ambiance hein, ce soir pour parler de votre quintet. Le 9... Et Berton, alors là, je voulais saluer Junior Guelpa qui a enfin entendu ma pétition et qui a pris une bonne résolution le 1er janvier de ne plus déclarer des pastilles rouges. Donc Junior, je t'en remercie. Tu nous présentes le 9 et Berton qui a gagné à grosse cote dernièrement. Je le trouve meilleur maintenant sur piste plate qu'à Vincennes où l'on a un peu marre de la cendrée de Vincennes. Donc ce 9 est capable de faire quelque chose de bien. J'aime bien le 12 Eden Basque qui est le cheval de Madame Colombo. Spécialiste de la piste, il devrait pouvoir enfin gagner un peu d'avoine cette année parce qu'il était malheureux deux fois de suite. Après, Romuald de Maurice, il ne faut jamais l'oublier à Cannes-sur-Mer, et il nous présente le 4 Forest GD. Et puis je tente deux snipers, deux tocards à Bellecote, le 3 Dirty Loving qui peut courir en progrès, qui sera à 20-30 contre 1, et puis l'As Global Warrior, parce que j'aime bien Jean-Charles Ferron. Il y a 3 signés au départ, il y en aura forcément un, donc j'en ai pris un, forcément dans ce petit jeu-là c'est toujours l'autre qui sort. Ma sélection, puisque je ne peux pas faire de montage ce soir, c'est le 8, le 7, le 10, le 9, le 12, le 4, le 3 et le 1. Et vous le savez, le vendredi, Madame Colombo vous donne son ticket en 5 chevaux. Le 12, le 3, le 5, le 7 et le 8. Son cheval principal est le 12. Je viens de vous donner 6 tiercés sur 8. Je me suis planté. Je n'ai pas trouvé le troisième ce jeudi. Je vais essayer de faire mieux ce vendredi en hommage à Jean Boileau. Moi, j'ai bien connu son papa Guy Boileau avec qui j'animais les ventes de Vichy et ensuite de Manicourt. Donc Jean, de tout là-haut, on t'aime beaucoup. On pense très fort à toi. Bon Quintet Plus à vous tous.